Et bonjour, et bonsoir, et même bonne nuit. Je règle tout ça, et je suis à vous. Je comptais pas du tout intervenir ce soir, il est 10h15 du soir. Nous sommes donc lundi, nous avons eu droit à une allocution de notre cher président. Je vais pas trop rentrer dans le détail, puisque de toute façon ça tourne en boucle sur toutes les infos. Et mais ce que je voudrais exprimer ici, c'est je parlais toujours sur mon vecteur, ce qui est le ressenti en fait. Alors, c'est chaud quand même, hein, c'est vraiment étonnant. Il y a énormément de troubles, et de perturbations, et je vais continuer à persister, je vais dire même, et à persévérer dans ma vision de cette double énergie, très, 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 très étonnante. Et c'est vrai qu'il y a d'un côté les arguments logiques et rationnels, et le problème c'est que parfois j'entends parler quelqu'un et waouh, il y a un truc encore qui me saute à la figure, je dis mais qu'est-ce qui me baratine lui, comment c'est... Non, c'est très déroutant. Je suis pas là pour affoler les populations, je suis pas là pour parler de conspiration, tout ça. Mais quelque part, c'est vraiment étonnant, quoi. Alors, je vais confirmer quelque chose que j'ai entendu et à mon niveau, moi aussi, je vais donc le confirmer. Dimanche, donc hier, j'étais dehors. J'étais criminel, hein, j'étais dehors, j'étais promené. J'étais dehors et c'était saturé. Donc en Ardèche, le ciel de l'Ardèche, saturé de chemtrails. Saturé. J'ai dit, waouh, ça faisait longtemps. J'avais eu un petit peu de répit. Souvent, dans ma région, le dimanche, c'était fréquent. Ouais, c'était fréquent. Pas le petit quadrillage, hein, le gros truc. Et vous sortez une heure après, vous revenez. Waouh, c'est vraiment, et vous avez dans les 4 heures qui suivent une perte de température entre 5 et 6 degrés, comme d'habitude. Alors bon, ça faisait quelques temps que on en avait beaucoup moins, mais là, ça y est, c'est reparti. On est reparti, j'allais dire, comme avant. Et je me suis dit, ah, il se prépare un truc. Et comme par hasard, température qui rechute, etc., etc., et des perceptions. Et personnellement, en plus, je me sens pas très à l'aise à chaque fois qu'il y a des chemtrails, comme par hasard. J'ai l'impression d'être perturbé, d'être pas comme d'habitude. Alors bon, certains me diront, c'est psychosomatique, etc., et de toute façon, les chemtrails, ça n'existe pas, c'est des traînées d'avion. Je dis, ah bon, ça me paraît bizarre. Mais bon, vu que je suis... je fais partie des tarés de service, il n'y a pas de problème, de toute façon, on ne me prendra pas au sérieux. Mais je le dirai quand même, voilà. Alors, d'un côté, il y a ça, et d'un côté, on a notre... c'est quoi ? Le connard virus, le Covid-19, etc. Et surtout, notre privation de liberté. Alors, sur le principe et sur la logique, c'est parfaitement rationnel. Tout est parfaitement rationnel. Vous avez un confinement. On part d'un principe tout net où, si vous voulez pas propager quelque chose, ben, il faut pas le communiquer à d'autres. C'est un système géométrique. Si vous touchez un obstacle, vous touchez une table, une chaise, un objet, et que pendant quelques heures ce virus est actif, donc vous allez le propager. Si quelqu'un touche cet objet, il peut être contaminé. Porteur sain, porteur... Alors c'est vrai qu'il y a un flou artistique assez prenant en ce moment, où on ne sait pas quel niveau vous allez vous prendre dans la gueule du corona bidule. Parce que c'est vrai que vous pouvez le prendre sévère, alors on a dit que dans les tranches d'ange, où moi je suis, finalement, je pouvais être touché. Allez, prends ça dans la gueule, les 40, 50 nerfs et 60 ans, ça peut, hein. Maintenant, on nous fait bien comprendre qu'on commence à toucher un peu plus. Bon, les jeunes, c'est très, 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 très rare. Bon, parlant de là, j'en ai rien à cirer, puisque personnellement, je vais vous parler d'autre chose, un petit peu de l'état que je ressens. Et c'est
pas agréable du tout. Je pense que ça a surpris et pris à contre-pied beaucoup de personnes qui pourtant s'attendaient à ce genre de réaction. Et j'ai ressenti à ce moment, maintenant, d'ailleurs je le ressens encore, je ressens parce que toute ma vie ça a été ça. Donc aujourd'hui, maintenant je sais, quand je ressens les choses qui me sont pas propres, je les ressens de l'égrégore, de l'ambiance, de l'atmosphère, et je le ressens de très loin. Donc on a un climat, pas de panique, mais c'est pas loin, hein, c'est, d'autres s'en foutent complètement, et c'est vrai, c'est une réalité, mais il y a quand même un climat de gens qui sont inquiets, de dire, ah merde, et c'est peut-être plus grave que prévu, je vais peut-être crever avant, hein, d'ici quelques temps, quoi. Alors attends, je calcule combien d'incubation, puis après, truc, j'ai peut-être que 15% ou 5% de l'attraper, mais il y en a qui font leurs calculs, enfin, sérieux. Alors. C'est difficile de dire comme ça parce que c'est pas rationnel pour les esprits rationalistes classiques. Vous attrapez une maladie, vous avez un système immunitaire faible ou fort, vous le combattez comme vous pouvez, parce que ça a toujours été la logique, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais dans l'absolu, c'est pas vrai. Pas exactement comme ça. C'est ce que vous êtes, fondamentalement, qui fait que vous allez propager ou pas un code informationnel qui est un virus. Si vous n'êtes pas réceptif, vous allez peut-être le prendre, mais il va pas survivre ou il va pas prendre sur vous. En fait, il va pas se développer au sein de vos cellules. Alors, j'ai pas la prétention, moi, d'être Superman et peut-être de résister. Ça dépend de ma programmation. Et je serais curieux de voir, puisque là, et j'ai senti, dans les non-dits, que quelque part, entre 40 et 60% de la population vont être touchés. Ils l'ont pas dit, hein. Je l'ai entendu. C'est ma petite oreille, hein, qui me l'a dit. On dit, waouh! Ils sont forts, hein. Sacrés scientifiques. Ils ont déjà calculé le pourcentage. Sur ce résultat-là, il va y avoir probablement entre 20 et 15% de gens qui vont être infectés plus violemment. Est-ce que vous voyez le côté pragmatique, comme d'habitude, comptable, hein, calculateur, statisticien? Ne vous fiez pas à tout ça. Rien à foutre, rien à cirer, ça ne fonctionne pas comme ça. Un scientifique se plante tout le temps, malgré leur intelligence. Eux, quelque part, ils ont une vision qui est très juste de leur fenêtre. Très juste. Quand vous êtes professeur au CHU, il faudrait trouver le moyen de que les patients arrivent petit à petit. Lui, il a plus, il va positionner son regard, dire oh ouais, mais si d'un coup il m'en arrive 10 000, on pourra pas assurer, quoi. C'est panique à bord, quoi. Les gens vont crever en masse parce qu'on pourra pas les traiter. C'est ça qu'il voit, lui. Et alors que globalement, dans certains cas, si vous n'êtes pas en panique, s'il y a du matériel, s'il y a des lits, si machin, ça se règle très facilement. Il n'y a que quelques cas qui sont sévères. Mais si c'est maltraité, il y a la panique, il y a la peur, il y a le n'importe quoi, là. Alors du coup, ben, l'armée va s'en occuper. Il va y avoir des hôpitaux de campagne. Hein. On va dire, ah ouais, quand même, putain de merde. On est vraiment en état de guerre, quoi. Dans les sous-entendus de notre cher président, c'était clair et net. Clair et net. Il s'attend à une saturation des hôpitaux, etc. Il s'y attend. C'est d'où il sort cette certitude, je sais pas. Mais en tout cas, c'était clair et net dans je dis, c'est la première fois que je ressens quelque chose aussi net dans ces discours qui d'habitude sont plats comme il y a rien dedans, quoi. Et là, oh, il s'attend vraiment à ce que ça soit. Donc, moi, en ce qui me concerne, rien à cirer, quoi. Par contre, ce qui me touche vraiment et sincèrement, et du fond du cœur, c'est j'ai ressenti un gros mélange émotionnel des gens, vous, hein, tout le monde. J'ai ressenti l'égrégore, l'émotionnel de tout le monde, de la tristesse et de la peur confondues. Une sorte de désarroi, voilà. Ça, j'ai ressenti ça, une tristesse inavouée, non révélée, qui demande à sortir, une impuissance, quelque part, c'est même plus une limitation, ça, si j'ai dit, mais et si quelqu'un de ma famille, je peux pas aller le voir, et si, comme moi, j'ai ma mère à côté, elle est à côté, elle est à quoi, même pas 800 mètres de distance, je peux même pas aller la voir, bon, je peux
C'est comme ça. Parce que logiquement, s'il y a un virus, c'est vrai que c'est rationnel, tous ces trucs de confinement. Et que théoriquement, avec un confinement, au bout de 15 jours, 3 semaines, ça va aplatir, comme ils disent, ça va neutraliser toutes les périodes d'incubation qu'il y a. Et ça va pas se propager. Évidemment, nous, les Français, c'est pas sûr que ça va pas se propager. En plus, on nous dit, le virus est très lourd, donc il se propage pas dans l'air, il vole pas. Disons que le pire, c'est qu'il va... Il peut se propager à 1m50 et puis il tombe au sol ou sur une surface où il pourrait s'appliquer. Et c'est vrai, qu'on le veuille ou non, pour l'instant, avec notre météo et notre climat actuel, il peut vivre plusieurs heures, peut-être 24 heures grand max, et sur des supports. Alors que s'il faisait 30, 35 degrés, eh ben là, il survivrait pas très longtemps, quoi. C'est pour ça que dans les pays chauds, ben, le virus à l'extérieur, sans un support, une cellule humaine, il ne peut pas survivre plus d'une heure ou deux, grand max, et encore. Ça veut dire que ça crève très vite. Et c'est pour ça que bon, ben, on a tout espéré qu'une crève de chaud, hein, comme certains disent, et c'est la vérité. Et ça fait un petit moment, parce que quelque part, ben, ça empêchera la propagation. Mais le problème, c'est que derrière tout ça, il y a autre chose qui se profile quelque part. Alors, on va être vigilant, et surtout, on va pas se prendre la tête. Au coup par coup, tranquille, zen. Vraiment, hein, il va falloir se détendre et ne pas... parce que moi, ce ressenti, je l'ai ressenti après l'élocution là, de Monsieur Superman, là, comment il s'appelle déjà, Macaron, je sais plus. Bref, non, je fais un peu d'humour, mais parce qu'il faut un peu décoincer tout ça. C'est vrai que son discours était très rationnel, qu'il se portait très rassurant et parfaitement structuré, logique. Logique, dans ce processus. Malheureusement, sur un principe où des gens vous mentent toute la journée et toute l'année, c'est très difficile de faire confiance. C'est très délicat. Alors du coup, même si le ton avait l'air bon, j'ai senti des choses qui se préparaient. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que, bon, on est confiné, on va être gentil, hein, on va essayer de communiquer. Il est possible, je verrai, on verra, peut-être que je ferai un peu plus de communication pour vous communiquer le baromètre émotionnel, j'allais dire. De temps à autre, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même... Là, c'est prenant. Ça m'a pris, je dis, wow, calme. Alors, je vois que deux, trois personnes ici et là, que je suis aussi, mettent leur façon de s'exprimer pour essayer de calmer. Parce que c'est vrai qu'il y a panique à bord, là. Il faut laisser tranquille, là. Il faut redescendre de quelques crans. C'est clair que certains, là, il y a la parano, il y a... Et là, de toute façon, il va falloir rester solide. Si vous voulez. Parce qu'autrement, vous allez vous affaiblir. Vous allez fuiter, quoi. Vous allez bêtement... Alors, déjà, c'est assez chiant comme ça. Si en plus, vous en rajoutez une couche. C'est nous, la force. Si vous étiez capable de ressentir un petit peu tous ces... Alors, c'est pas toujours agréable non plus. Vous verriez qu'en fait, tout ça, on va y passer tranquille. Tranquille. Ça va passer. Il va y avoir ici et là des remous. Mais il y a autre chose qui se prépare derrière. Ça m'embête un peu plus, quoi. On verra. On va voir. On va voir sous quelle forme. Alors, c'est très ciblé sur l'Europe. C'est très, très ciblé sur l'Europe. On va dire que le Corano bidule est forcément sur notre continent et pas ailleurs. Pas en Angleterre. Non. Et si on déborde, ça va un petit peu aux frontières, à la limite de l'Europe, notre Europe à nous, c'est-à-dire l'Europe du Sud débordante sur l'Afrique du Nord, donc le Maghreb, oui, et là aussi c'est affecté, donc c'est une sorte de rayonnement qui englobe l'Europe et on va dire certains pays du Balkan, etc. Mais c'est vraiment là, c'est confiné ici, c'est dans cette zone que ça va se jouer. Alors il y a des stratégies et on voit bien que comme au début, Trump, c'était la cible, les 26 pays, entre autres, notamment, en tout cas, parce que c'est l'épicentre, et notamment France-Allemagne. Et donc, bon, c'est là, mais l'Italie a été indirectement, parce que c'était un dommage collatéral, on dirait, mais c'est vrai que ça touche la France, donc l'Espagne,
le Portugal, on va dire tous les pays frontaliers sont tous touchés. Maintenant, tout le monde ferme ses frontières, tout le monde se calfeutre. On va se protéger contre le vilain virus. Et du coup, on va essayer de combattre avec nos petits bras un être qui est invisible. Un être, une entité, c'est quoi? Un truc, un machin. Bon, c'est pas grave. Et on va y arriver tous ensemble. Solidarité. Alors, je fais un petit peu de cynisme, un peu d'humour décalé, pour essayer de détendre l'atmosphère ici. Parce que quelque part, j'ai à la fois été triste, j'ai ressenti un sentiment de tristesse, et je souris un petit peu en même temps. Parce que toujours, et en même temps, c'est un petit peu désagréable et agréable à la fois, je ressens les deux énergies. Ça va être cool, et ça va être pénible. Alors je dis, ouais, mais bon, ça remue. J'espère qu'on aura le tenant et les aboutissants de tout ça, mais c'est pas clair du tout. Alors, le conseil, parce que moi j'ai aucun conseil à donner à qui que ce soit, à la limite. Hein. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Hein. Le conseil, c'est rester tranquille pour l'instant. N'essayez pas de jeter de l'huile de le feu. De toute façon, vous n'avez pas la main. On l'a pas encore. On n'a pas la main. Hein. On n'a pas le contact. Donc, quelque part, on va rester zen et calme. Le but est plus de manifestation. Ça a été dit, d'ailleurs. Pas mal de news. D'essayer de pas trop de vous saturer avec ce côté anxiogène de tous ces médias. C'est énorme la merde qu'ils envoient. Mais bon, ce sont des journalistes, hein, ils sont là pour vous balancer en boucle. Vous vous souvenez peut-être d'une certaine année, 2001, quand les tours sont tombées, ça tournait en boucle, quoi. C'est, oh là, vas-y. Les tours, les gens sont morts dedans et les tours sont tombées 5000 fois, quoi. Et même après. Alors, c'est leur projet. Alors, je veux dire, c'est plus de l'info, c'est de la connerie, arrivé à ce stade. Mais bon, ils ont rien d'autre à se mettre sous la main. Il n'y a plus d'infos. Il n'y a plus rien. On parle un petit peu de la Syrie, on parle un peu de là, mais globalement, 99% de l'info, c'est connard bidule. C'est qui déjà celui-là? Ah oui, c'est le Covid. Covid 2019. Bref, je suis un petit peu décalé, un petit peu cynique, un peu d'humour, mais en fait, ça m'amuse un petit peu, quelque part. Je pensais pas que de mon vivant, je vivrais ça. C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est vrai que si on reste dans un esprit purement rationnel, on se dit, mais oui, c'est parfaitement logique. Sauf que je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Il y a un truc qui m'est occulté, et c'est clair qu'il y a autre chose de précipité. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit dans d'autres lives. On sent que c'est complètement désorganisé, qu'ils ont avancé l'agenda quelque part. Qu'ils ont quelque part précipité des choses, et du coup c'est un peu désorganisé, c'est un peu bordel, quoi. C'est souillon, c'est foutoir, et donc ils avancent, ils improvisent un peu, hein, ils naviguent à vue. Alors du coup, on va avoir droit à l'invasion de l'OTAN, hein, des militaires de campagne. Ils disent simplement c'est pour aider, suppléer entre guillemets les hôpitaux qui ont été sinistrés. Hein, les pauvres, ces hôpitaux, parce qu'après les avoir démantelés, apeurés et ruinés, évidemment, alors qu'on voudrait un hôpital solide et fiable avec du personnel et du matos, ils ont été laminés. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et du coup, forcément, ils vont apporter avec les moyens militaires, des médecins militaires. C'est craignos quand même. Hein. Enfin, bon, on verra. On verra un petit peu où ça mène, et on va tranquillement avancer jour par jour. On va pas se projeter trop loin, parce que de toute façon, c'est très étrange. J'ai déjà dit, mais c'est vrai que là, c'est de pire encore. Il y a rien de, c'est pas clair ce qui va se passer dans l'immédiat. Pour moi, ça va durer encore un bon petit moment. Peut-être pas une éternité. Ça va changer. On va suivre au jour le jour les ordonnances que notre cher exécutif va faire pour nous imposer une sorte de loi martiale. Si on n'a pas, peut-être qu'on aura
comme à la guerre, hein, plus le droit de sortir du tout, ou qu'on aura des heures pour sortir, j'en sais rien. Jusqu'où ils vont aller, parce que on n'est pas trop discipliné, nous, et c'est vrai que, bon, on verra. La question est là. Alors, ne vous prenez pas le chaud, ne prenez pas la tête, c'est pas la fin du monde encore, vous inquiétez pas, c'est pas là encore. C'est juste un état, une prise de tête, là, parce que d'un coup, on se heurte au mur d'une certaine réalité, et beaucoup de gens ont une, je veux dire, il y a une dissonance cognitive, là. Attends, on n'est pas dans une série télé, là, c'est quoi? C'est vrai. Certains, ils décrochent, hein, ils disent, c'est quoi? Je vois rien, il se passe rien. Ben non, tu peux pas le voir, hein. Mais c'est vrai que, quand tu verras les militaires débarquer, peut-être que tu le verras, quoi. Ou la police, on verra. Parce que la police, ils sont peut-être un sous-effectif, les pauvres. J'ai peur que l'armée soit un petit peu plus. On verra. Et donc, non, c'est pas une dissonance cognitive, c'est simplement un choc qu'on se heurte à une certaine réalité. Et je pense que ça va être cool. Je délire encore. Ça va être cool parce que beaucoup de gens vont commencer à se réveiller, quoi. Alors ils vont pas comprendre, hein, et dire ah oui c'est ça, et puis petit à petit certains vont y venir, hein, qu'est-ce qui se passe, c'est juste le virus, hein, et puis après quand ça commencera à aller mieux, qu'est-ce que ça va être par la suite, etc. pour redémarrer. Il y a beaucoup de sous-entendus en ce moment, beaucoup de choses en suspens, donc des choses en attente. On est dans quelque chose de assez gros qui tente de se manifester, de gros, hein, dans l'informe, hein, j'en ai déjà parlé. Et du coup, il y a une autre force, hein, je vous l'ai dit, qui essaie de compenser tout ça, et il y a autre chose qui peut se passer. Alors, pour tous ceux qui ont un sentiment d'un petit peu de panique, c'est vrai d'une certaine forme de tristesse, parce que c'est un peu étrange d'être séparé, parce que des fois dans des situations particulières, ben certains sont pas, ils habitent pas dans la même région de France que sa famille, son fils, sa fille, etc., étudiants, et du coup tout le monde essaye de rester en contact, comme là par internet, Skype, compagnie, et du coup il peut y avoir des petits moments d'inquiétude, parce que qu'on le veuille ou non, les gens qui sont humains, avec une certaine compassion, eh ben ils veulent protéger les leurs, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, il y a une petite inquiétude là, comment on va faire? Alors, ne vous prenez pas la tête pour ça, un pas après l'autre, tranquillou. Hein. Donc, moi je pense que ça va aller vers le mieux, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est bizarre. Alors on vit une situation un petit peu surréaliste, un petit peu fantastique, et moi je trouve que c'est bien, parce que ça va peut-être remuer et comprendre la contradiction et les paradoxes de notre conscience, de nos ressentis, parce que quelque part, certains vont tomber de haut, quoi. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vois rien, moi, il se passe rien, j'arrive pas à réaliser. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse, c'est panique à bord. Ça m'a fait rire, hein, quelqu'un que je connais sur un live, notre live, il a dit, j'ai pas vu tout, mais il a fait rire, il a dit, certains ont désolé, je reprends cette impression parce qu'elle est trop amusante, quoi. Il dit, certains ont, paraît-il, stocké l'équivalent d'une caravane de papier cul. Oh, c'est vrai que c'est comique, quoi, il y a de quoi se marrer, quoi. Je veux dire, sérieux, je veux pas dire, c'est ma femme, dans toute sa logique, qui a répondu ça, et elle m'a assis en deux, quand elle m'a dit ça, mais tu sais, si on meurt de faim, on n'a pas besoin de papier cul. Désolé, c'est un petit peu d'humour. Mais bon, c'est vrai qu'il faut arrêter la connerie, quoi. C'est pas prévu encore qu'on crève de faim, et le but, c'est pas qu'on crève. C'est pas ça le but, pas du tout. Donc, ne vous prenez pas la tête avec tout ça. C'est étrange. C'est paradoxal. Beaucoup de gens sont un peu en colère, d'autres sont tristes. Vous allez avoir des contradictions dans les réactions et dans l'émotionnel. Ça va être un petit peu ça. On est un petit peu boosté, secoué là. Hein. On remue la pulpe là, ça décolle. Et donc, forcément, ça va être perturbant. Alors, retrouvez votre centre, tranquille. Et oui,
profiter de ces moments pour ben justement utiliser les moyens de communication modernes, même si quelque part, ça aussi, il faut que je le précise, parce que ça fait un moment que je le dis pas. Alors, je le disais en particulier, dans les quelques entretiens que je fais, des fois je le dis pas d'ailleurs, ça fait quelques temps, le soir, si vous pouvez, couper votre box, toutes les boxes, moi j'en ai deux, plus une portable, vous voyez un peu, hein, 4G, ADSL, j'ai tout, moi. Et moi, personnellement, j'ai une face, si certains disent il faut protéger sa maison au moins une fois tous les 15 jours, moi, j'en suis à protéger ma maison presque tous les jours. Parce que ça change tout le temps, les énergies, là. Alors, du coup, c'est les murs, c'est tout, hein. C'est la matière, c'est l'énergie, c'est les terres, c'est tout. Vraiment, c'est une projection, hein. C'est l'intention qui compte. Parce que ça, tout passe par votre box. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'intérieur. Parce que, à contrario, ça y est, le parano va ressortir, là. Il va ressortir du bois. À contrario, quand on vous dit soyez en sécurité, rentrez chez vous, vous serez en sécurité de Monsieur Covid-19. Ben le paradoxe, c'est que quelque part, plus vous serez chez vous, plus vous serez bombardé d'ondes par votre box, notamment. Alors le paradoxe, c'est que quelque part, on communique comme ça, quoi. Tout le monde a son téléphone 4G. Et ouais. Donc, alors, si possible, avant de se coucher, vous coupez. C'est un truc tout con. Alors, ce qui est bête, c'est que ceux qui sont dans les immeubles, ils auront les box du voisin, mais bon, ça sera moins fort. Et c'est toujours ça de prix. Et essayez de visualiser quand même que votre appartement, dans votre esprit, est toujours sain. Vous le ressentez comme ça. Si vous savez pas comment protéger, essayez de dire mon appartement, ma maison, mon terrain est sain. Il respire la santé, le bien-être. Tout ce qui pourrait ne pas être ça est rejeté, écarté, repoussé, transformé, détruit. S'en fout, quelle que soit votre logique. Certains préfèrent transmuter, transformer. Je dis oui, on peut transmuter, on peut modifier, mais j'ai dit des fois c'est plus facile de repousser, de garder un côté un niveau énergétique élevé, on va dire, à l'intérieur d'un lieu de vie. Quand il y a un confinement, on reste dedans, et donc tout notre émotionnel va stocker, s'imprégner dans les murs, etc. Notre émotionnel, notre tristesse, notre peur, ça va imprégner les murs. C'est trop, hein. C'est la matière aussi, c'est de l'énergie, c'est des forces. Et ça s'imprègne. Donc tout ça, il faut le balayer. S'il y a de plus en plus d'émotionnel, de doute et de stress, d'angoisse, de situations anxiogènes comme maintenant, eh ben, il faut nettoyer souvent. Et y compris à travers vous. Hein. Voilà. Je suis aussi de la matière. Donc moi, au niveau émotionnel, j'essaie de me traiter. Donc, vous le traitez. Intentionnellement. Je sais, c'est du New Age et c'est de la connerie, mais quelque part, quand on reste dans une certaine conviction intérieure où je me sens bien, eh ben, je suis plus fort. Je garde une certaine force, une connexion, et je rayonne quelque chose de stable. On parlait du tore il y a très longtemps, on n'en parle plus maintenant. Stabilisez votre tore, vous le visualisez, vous êtes vous-même. À la fois, vous êtes une sorte de mini soleil, une sorte de centre énergétique, il y en a plusieurs, mais quelque chose qui rayonne. Donc stabilisez-le. Après bon, certains croient pas à ce genre de truc, ils sont beaucoup plus pragmatiques, etc. Qu'importe. Donc pensez à, parce que quelque part votre box, tout ça, ça émet toutes sortes de signaux la nuit, le jour, mais la nuit aussi. D'accord. Alors, ça coûte rien de le faire. Une bonne intention, une pensée dans une direction. Je projette quelque chose. Je vais me coucher. Ah merde, j'ai oublié de couper la box. C'est utile de laisser brancher la nuit. Ouais, mais on peut m'appeler. J'ai mon téléphone. Mais t'as ton téléphone portable. Tu le laissais à un certain niveau et c'est bon. Il captera pas la 4G. Il captera que le signal, on va dire secondaire du transmission de la voix, on va dire. Bref, mais bon, encore que non, je suis con parce que la 4G, elle est quand même, elle passe à travers les murs. Eh oui, tout à fait. Il y a que la box
intérieure, on va dire la Wi-Fi qui sera coupée, et la box émettra pas un autre signal. Par contre, la 4G passera souvent à travers les murs. C'est pour ça qu'il va falloir. Et oui, tout à fait. C'est la 4G passe par les antennes relais, forcément. Donc, ça passe à travers les murs. C'est pour ça aussi, j'en ai parlé, que beaucoup de déploiements de fibres sont très, très en retard. Et c'est pas un hasard du tout, hein. Nous, en Drôme-Ardèche, il y a longtemps qu'on nous a ouvert les routes pour la fibre optique, on attend encore. Ah, avant 2025, ils nous ont dit, waouh, putain. Après moi, le déluge, hein, c'est bon. Allez, vous prenez pas le chou, détendez-vous, recentrez-vous, visualisez-vous, fermez les yeux. Moi, j'ai mon paysage préféré, moi, j'ai mon endroit, moi, je ferme les yeux et ah, j'y suis, je suis à ma cabane, moi, tranquille. Et hop, j'ai plein de trucs qui m'arrivent, j'ai mes trucs à moi, et ça me permet de me recentrer, de me calmer, et éventuellement, après, si vous êtes capable de créer un moment de parfaite paix, un petit moment, même bref, de vacuité, de silence intérieur, où d'un coup il n'y a rien, mais parfaitement solide, stable, quelque chose de fort, puissant même, qui vient d'en haut, tant mieux. Ne vous laissez pas prendre, de toute façon, c'est, pour l'instant, il y a pas à réagir ou à surréagir. Il y a juste, bon, ok, bon, on fait comme on peut, moi, je pense, j'ai une pensée pour tous ces entrepreneurs qui savent pas comment ils vont faire, j'ai une pensée pour tous ces commerçants, et c'est pas facile, pour tous ces employés, c'est pas simple du tout. Tous ceux qui ont la campagne, des fruits et légumes, tout ça, bon, ça ira pour eux. Après, les autres, ben, ils iront au supermarché faire la queue. On verra. Je pense qu'après, une fois que les gens, peut-être, si ça marche bien, que l'approvisionnement marche bien, quand ils verront que c'est stable, peut-être après ça va se calmer, ça va se stabiliser. Parce que là, je veux dire, ça va, quoi. C'est vrai qu'on va pas le dire comme ça, mais c'est vrai qu'on pourrait rester 15 jours sans manger, 3 semaines, c'est pas agréable du tout, mais on survit, hein, y a pas de problème. Bon, après, un mois, ça commence à être difficile, mais bon. Allez, je vous dis à très bientôt, vous prenez pas la tête, restez cool, zen, centré, communiquez le plus possible avec les vôtres, par tous les moyens. Dès que vous couchez, coupez vos box quand même, parce que ces informations que j'ai, ça passe, beaucoup de choses passent par là. Ça fait un petit moment que je le sais, en plus, parce que moi je coupe avant de me coucher. Et c'est vrai que si vous pouviez avoir l'intention aussi avant de vous coucher, ou même quand vous vous levez, de dire, ben, je purifie, je veux que ma maison, mon appartement, l'endroit où je vis soit sain. J'en ai mis le désir, je le souhaite. Après, vous pouvez avoir toutes sortes de choses, hein. Il ne faut pas rester comme un peu bizarroïde, mais en tout cas, vous pouvez le désirer, le souhaiter ardemment, quoi. Et du coup, ben, quelque part, ça devient agréable, parce que c'est pas seulement chez vous, c'est votre corps, hein. Ça commence par là, et après, c'est votre maison. C'est comme la tortue avec sa carapace, quoi. C'est chez vous. Si vous êtes pollué à l'intérieur, ben vous la polluez elle aussi. S'il y a de l'angoisse, du stress, ben vous polluez votre environnement. Pensez à nettoyer ça. Aussi souvent qu'on peut, une pensée, une intention, même si c'est pas précis, même si c'est pas bien, c'est toujours ça. Mais bon, ce n'est que l'opinion de quelqu'un qui peut-être ne sait pas grand-chose finalement. Je reste humble, moi. Je ne fais qu'émettre des idées. Allez, je vous dis à très bientôt. Je sais pas du tout cette vidéo. C'est sorti spontanément parce que c'était plus presque en réaction. Et j'ai dit bon, on va essayer d'en parler sans trop y aller trop fort parce que c'est pas la peine. Hein, but. Et tous ceux qui se heurtent au mur de la réalité en ce moment. Ça va retomber, vous inquiétez pas. Le mental est très bien conçu pour s'adapter, même au niveau de stress. C'est très très bien fait, le mental. Et par contre, si vous pouviez profiter pour cet état de vigilance, certes, un petit peu, c'est pas agréable, forcément, d'être dans un état
je suis pas à mon aise, je suis pas bien là, c'est pas confortable. Ah ben tu m'étonnes. On te dit ce que tu dois faire, que tu peux plus sortir, tu fais ci, par ça. En plus avec une peut-être une possibilité de mort au virage. C'est pas cool quoi. Après on nous dit non mais il y a très peu de pourcentage. Mais bon quelque part on te projette ça quoi. Ah bon c'est du sérieux hein, ça a l'air. C'est du super sérieux. Mais et c'est véritablement il y a une véritable menace entre guillemets. Parce que c'est ce système contagieux qui les inquiète. Il y a quelque chose qui leur échappe. Donc on verra bien. Alors même si quelque part ça semblait la cible au départ semblait être plutôt la Chine, mais visiblement tout est recentré sur l'Europe maintenant. Je vous le dis, c'est clair et net. L'Europe, l'OTAN, l'armée, la puissance américaine. Il y a beaucoup de corrélations à voir là. Il y a des choses à voir. Et donc, chacun fait ce qu'il veut. On verra bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Si d'un coup, spontanément, j'ai envie de vous parler, et si ça vous intéresse, évidemment, je réitérerai ce genre d'intervention. Allez, je vous dis à très bientôt. Et bye bye. Bonne nuit d'abord.